Ça ne résout pas le problème. Quand M. Netanyahou, indépendamment du fait qu'il est décrédibilisé, il, il annonce qu'on va éradiquer le Hamas. Ça doit être la cinquième fois qu'il parle d'éradiquer le Hamas. Au moins trois fois qu'il parle d'éradiquer le, le Hezbollah. C'est. Ils n'y arriveront pas, comme les fois d'avant. Ils détruiront beaucoup, ils tueront beaucoup de gens. Sont-ils innocents ou pas C'est un autre débat. Oui, ce que je veux dire. Pourquoi un tel scepticisme Pardon. Cette fois-ci, les moyens sont considérables. Un demi-million au total, hein, réservistes oui. et actifs qui sont mobilisés. Des moyens militaires considérables. Il y a vraiment une volonté de détruire complètement le Hamas. Et vous avez raison de le rappeler. Et là, c'est souvent lié aux infrastructures. Les deux sont imbriqués avec les infrastructures civiles. Oui. La... Je pense qu'ils n'ont pas les moyens. De s'emparer de, de tout, tout Gaza, maison par maison. J ai, j ai, je ressens ma, ma phrase habituelle c'est Vous avez aimé Barmout, vous allez adorer Gaza. Les, à force d'avoir attaqué le Hamas, ce qu'on constate, c'est un accroissement de performance du Hamas. À chaque fois, ils sont meilleurs. En force et en sophistication. Et, euh, et, et est-ce que, pardon, c'est -ce un piège est pas... Gaza est un piège. Est-ce que ça n'est pas une forme de défaitisme Les Israéliens vous répondent, c'est comme si après le 11 septembre on avait dit, oh là là, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, c'est très différent le, le, le 11 septembre, parce qu'il y avait une sorte de nébuleuse terroriste ah. qui voulait faire un symbole et, et abattre, euh, abattre la, la, la morgue américaine. Enfin, c'était leur perception. Ici, on a un État, un gouvernement, l'État Niaou, qui s'est trompé de politique pendant 15 ans. En réalité, il n'y a pas de solution militaire à cette guerre, donc la solution est politique. Et il va falloir que les Israéliens l'acceptent, en particulier des concessions. Pendant 15 ans, les Israéliens étaient dans la domination militaire totale. On cherche toujours à, négo... à obtenir une position de force pour négocier, c'est le principe de base de toute négociation. Ce qui veut dire que quand vous êtes en position de force, alors vous êtes obligé de négocier. Et les Israéliens ont oublié de le faire. Et maintenant, le Hamas leur pose un tel problème militaire. Et humanitaire et politique, qu'il va falloir trouver autre chose. Ah, on, on va revenir à cet aspect politique, oui. mais d'un point de vue militaire, vous dites ce sera extrêmement dangereux, n'est-ce pas Et oui. ce sera extrêmement consommateur en vies humaines, d'abord pour oui. les Israéliens. Évidemment, beaucoup de civils palestiniens, on y reviendra, mais pour les, pour les oui. militaires israéliens. Oui, oui, ça va être un. Je, 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 je pense que ça, ça va être un, un très gros problème. Le Gaza est beaucoup mieux préparé que Barmout ou Mariupol beaucoup mieux préparé. C'est une zone défensive qui a été organisée depuis 15 ans. Et puis, euh, et, et puis ce que montre l'accrochage le, 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 ah, qui a eu lieu aujourd'hui, c'est que je pense que les Israéliens n'ont pas de renseignements dans Gaza. Ils, ils nous font croire, vous savez, il y a, y, a y a ce mythe du renseignement israélien. Le renseignement israélien est très performant dans beaucoup de pays. Mais pas dans Gaza. J'attends qu'on m'explique comment on peut avoir des relais. Ils ont des indicateurs. Alors, ils n'ont pas ils bien sont... fonctionné, visiblement, à 7 octobre, ça vous avez raison. Mais, mais traditionnellement, ils ont des indices, ils ont mais, des agents, mais comment des ils agents font... infiltrés qui parlent arabe. Mais, mais comment ils font pour avoir des infiltrés mmh. dans une ville où il n'y a pas un gars qui les aime Vous avez les communistes en France, l'Union soviétique avait des infiltrés, par exemple, parmi les sympathisants communistes. Vous voyez ce que je veux dire Parce que vous avez des gens qui adhèrent à votre cause. Les espions anglais, euh, les, les célèbres de je sais plus, Cambridge, etc. Là, vous avez 2 millions, plus de 2 millions de personnes qui ont des raisons objectives de détester les Israéliens. Pourquoi voulez-vous qu'on qu trouve un agent là-dedans Est-ce que là. Il y en a. Il y en a. Alors, franchement, il y en a. On, souvent, on en a interviewé. Moi, j'en ai rencontré moi-même. Ouais. Maintenant, alors, comme vous le dites, est-ce que ça fonctionne visiblement beaucoup moins bien que ce que ah, les Israéliens ah, oui. prétendaient, ouais. en tout cas récemment et du coup, là, ce qu'on a vu, c'est ce soir, a priori, une escarmouche, au sens, bah, du coup, n'ayant pas de renseignements humains, bah, les Israéliens, bah, ils y vont avec des forces spéciales, on n'opère pas impunément et discrètement dans une ville, même à moitié abandonnée et partiellement détruite, où tout le monde vous veut du mal. Vous, vous, vous n'êtes pas du paysage, donc vous êtes découvert et vous êtes accroché. La dimension islamiste, est-ce que ça change On a là affaire, non pas aux combattants traditionnels palestiniens, les fedahines, etc. On a affaire à des islamistes qui ont la haine évidemment chevillée, mm. qui sont prêts à tuer, mais aussi à être tués, au sacrifice. Oui, 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 je ne suis pas un grand connaisseur des islamistes. Je, je, je pense que ce sont des, 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 des combattants qui ont autant envie de mourir que, mmh. que le légionnaire euh, en France, au sens s'il fera son job. S'il faut mourir, il l'a déjà accepté. Maintenant, euh, il n'est pas candidat au suicide pour le fun. Mmh. Ces gens-là vont mourir utiles. Bon, ce ne pas des légionnaires. En l'occurrence, ce sont des assassins. On a vu ce qu'ils ont fait au sud d'Israël, qui ont abattu, massacré tant de gens. On est quand même très loin du légionnaire français. C'est vrai. Euh, merci de signaler la différence qui est, qui est majeure. Ceci dit, ils se battront pour ce qu'ils mmh. croient être leur cause, pour ce qu'ils considèrent être leur cause. Et, euh, et, et je pense qu'ils se battront euh, pas trop mal. Euh, effectivement, le Hamas, ils sont 20 000, pense-t-on à peu ouais, près ouais, 20 000 combattants. Ouais. Tout à l'heure, on articulait les chiffres, peut-être 30 000 soldats et soldates d'Israël qui vont entrer dans la guerre. Le rapport de force n'est pas si facile pour Israël. C'est ce que vous semblez indiquer. Oui, les, les, la ville, elle va absorber et elle va digérer cette armée. C'est ce que je crains. C est, c est, très franchement, je, je, je suis, globalement, je suis pour Israël. Je, je voudrais qu'Israël ait une autre perception vis-à-vis -vis des Palestiniens, si vous voulez. Ça, bon. Là, je souhaiterais, je, je, je serais le premier à être content de, de, de me dire, OK, ça mettra un peu de temps, ça va être un peu compliqué, mais ils vont régler le problème. C'est là que, de bonne foi, je ne crois pas qu'ils régleront le problème. Revenons à cette information majeure du moment. C'est CNN donc qui le disait. Des combattants du Hamas ont affronté des troupes israéliennes. Alors première version de CNN, c'était à l'intérieur de la bande de Gaza. Les informations, on parle toujours au conditionnel parce mmh. que oui. la première source était une source, le groupe palestinien Al-Qassam. Mais beaucoup d'autres indications semblent donner que ça n'était pas vraiment à l'intérieur de la bande de Gaza, mais à la limite de la bande de Gaza. En tout cas, il y a des missions de reconnaissance, il mmh. y a des missions de commando et visiblement deux premiers affrontements. Oui, moi je ne crois pas que les commandos pénétreront facilement. Ce que je veux dire c'est que la bande de Gaza, la barrière était observée de l'extérieur. Bon, elle a été percée par une opération dont tout le monde reconnaît la technicité, mais en temps normal, un habitant de Gaza ne sort pas de Gaza sans que les Israéliens ne, ne le sachent. Bah, ben, l'inverse est vrai aussi, en temps normal, on ne franchit pas le mur dans le sens sans être décelé et attaqué. C'est pour ça que je pense que Gaza est beaucoup plus un trou noir pour le renseignement israélien que les Israéliens ne veulent le reconnaître. Aujourd'hui, on a même des précisions maintenant euh, qui sont données, y compris du côté israélien. Des coups de feu ont été tirés sur des soldats de, de Tsall. Euh, un char de Tsall a frappé la cellule terroriste qui a tiré sur les soldats. On voit qu'on se rapproche de plus en plus de l'aspect terrestre oui mais c'est je pense c'est une tentative de pénétration de commandos pour aller bah, justement en reconnaissance tentative qui s'est fait, fait barrer c'est tout ce n'est pas forcément annonciateur de, de, de l'assaut ce n'est pas la première vague ça. parlons des moyens parlons des moyens d'abord les chars on voit ici certains chars on va détailler les chars les bulles de Zer, les bombes guidées avec quoi et de votre point de vue on comprend mmh. que ce sera très compliqué de le faire les israéliens vont maintenant ou dans les heures qui viennent, ou dans les jours, ou dans les semaines, personne ne peut mmh. en jurer mener leurs assauts. D'abord, ce qu'il en est des chars, les chars Merkava. Quelles particularités ces chars ont-ils bon, c'est un très bon char optimisé pour justement, entre autres, le combat urbain et en particulier du haut. Euh, à la différence de, de nos chars occidentaux qui sont plus optimisés pour de la manœuvre de longue distance, si vous voulez, pour des, 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 des adversaires. Mmh. Euh, Devant eux plutôt que au dessus d'eux. Ceci dit, ceci dit, un Merkava dans une rue, si vous préparez une destruction en dessous avec euh, le nombre suffisant de centaines de kilos d'explosifs, ben il va descendre de deux étages, votre Merkava. Et c'est ça qui va se passer.